Monaco, 2023. Alors que son gouvernement s'efforce de rendre le rocher toujours plus attractif en y drainant investisseurs, entreprises et touristes, et en fixant de nouveaux enjeux écologiques et numériques pour s'adapter aux évolutions sociétales, le plus petit État du monde après le Vatican polarise les regards depuis des décennies. Le moindre geste de Charlène, gracieuse épouse du prince souverain Albert II, est scruté attentivement par les paparazzi et interprété par les journalistes, conscients de l'intérêt jamais démenti des lecteurs pour la dynastie des Grimaldi, ses bonheurs et ses larmes, sur fond de décors idylliques et de luxe ostentatoire. Certains magazines People semblent n'exister que pour relater et réinventer la vie de la famille princière. Depuis le somptueux mariage de Rainier III, père d'Albert, et de Grace Kelly, suivi sur les petits écrans par 30 millions de téléspectateurs, Monaco n'a jamais cessé de faire rêver. L'image de la sublime star hollywoodienne, disparue en 1982, subsiste dans toutes les mémoires, tant elle est parvenue, par son infinie distinction, à séduire les monégasques et un immense public déjà conquis par les chefs-d'œuvre du 7e art qu'elle tourna jadis sous la direction d'Alfred Hitchcock, toujours rediffusé à la télévision. Les amoureux du cinéma français en noir et blanc n'ont pas oublié qu'avant l'éblouissante grâce, la discrète Gisèle Pascal enflamma le cœur du prince et vécut à ses côtés 7 ans d'un bonheur paisible, malgré l'hostilité dont elle faisait l'objet, avant de s'effacer volontairement. D'aucuns prétendent que le fantôme de celle que les monégasques avaient surnommée « la princesse sans couronne » planait sur les fastueuses noces de 1956. Comme Grace Kelly, Gisèle était une célèbre vedette de l'écran, très appréciée à la fin des années 40. Témoin lointain de sa popularité figurent encore les revues de cinéma d'un autre âge qu'il est agréable de feuilleter sur les stands des marchés aux puces, en se tachant le bout des doigts au contact des pages salies par l'usure. Pendant la guerre et à la libération, un grand nombre de Français s'évadaient de la pesante réalité quotidienne en se plongeant dans la lecture de ces magazines illustrés qui comprenaient le plus souvent des articles sur les productions en préparation ou des résumés en photo des films en cours d'exploitation. La vie et les amours des stars en vogue y étaient également évoquées. Gisèle Pascal y figurait fréquemment en couverture. Une fort jolie fille, tantôt brune ou blonde, dont le côté naturel et dépourvu d'artifice contrastait avec les étoiles plus sophistiquées ou standardisées popularisées par les studios américains. Une jeune femme accessible, vive et espiègle, à laquelle chacun pouvait s'identifier et dont beaucoup de collégiens étaient secrètement épris. Son histoire, qui tient lieu de véritables contes de fées modernes, enchanta une génération de cinéphiles. La destinée singulière d'une adorable canoise à la beauté lumineuse et au sourire éclatant, la plus ravissante bouche du cinéma français, selon les chroniqueurs des revues spécialisées. Alors que rien ne la destinait au métier de comédienne, cette splendide plante de 1,72 m aurait été découverte en 1941 sur un marché où elle aidait son père à vendre des tomates. La légende prétend que la modeste jeune fille récupérait les fleurs tombées des tréteaux pour constituer des bouquets et en faire le commerce au pied des hôtels de luxe. Remarquée par un metteur en scène de renom et un dramaturge réfugié depuis l'exode sur la Côte d'Azur en zone libre, la ravissante inconnue, à l'accent chantant, fut immédiatement embauchée pour figurer dans une nouvelle adaptation cinématographique de l'Arlésienne, d'après Alphonse Daudet, aux côtés de Rému et de Gaby Morlet, les plus grandes stars de l'époque.